Hanano Yirla Ngoribi Miso Vindabu Fati Nibihuasunalu Pamikari Huasuru Pamu Dati Pio Puanga Inuli Hemaya
Promis une vie aisée.
mais au contraire, une vie pleine de preuves et d'obstacles. Insupportable pour certains d'entre nous. C'est la raison pour laquelle Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pour ceux d'entre nous qui trouvent à la mort de notre sœur en Christ un fardeau insupportable, ne vous égarez point, le seul et le vrai consolateur, c'est Jésus-Christ. Allez à lui et vous serez apaisés et réconfortés. Devant l'épreuve de la mort qui nous attriste tous, qui nous laisse souvent sans voix, qui amène certains d'entre nous à nier leur foi, abandonner le chemin tracé par Dieu, ce même Jésus-Christ nous rassure lorsqu'il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en moi, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il continue en nous disant que celui qui croit en Jésus-Christ, quand bien même il est mort, il vit. Et cette vie est éternelle à côté de Dieu, cette fois-là, sans pleurs ni grincements de dents. Restons fermes dans notre foi malgré les épreuves, y compris l'épreuve de la mort, et au bout, la couronne de gloire nous sera réservée. Ce Dieu qui nous aime nous invite à le louer, à l'adorer. Levons-nous et chantons en guise de reconnaissance le cantique Bassa numéro 349. 349. Amen.
Créateur, et tu nous rassembles à l'occasion du rappel à toi de ta fille Ngonkoyok, épouse Konlok Marie-Louise, ce soir, à l'occasion de l'inauguration de sa dernière fête. Nous voulons te bénir et te glorifier pour de longs jours que tu as accordé à ta servante au milieu de nous.
et pour toute l'œuvre que tu as accomplie à travers elle. Nous te bénissons pour sa vie. Nous te bénissons pour toute sa progéniture, toute la famille qu'elle laisse. Mais nous te bénissons surtout pour la foi en Jésus-Christ qu'elle a eu à confesser et à travers laquelle elle a réussi à orienter sa famille vers la voie du Seigneur. Nous voulons te rendre grâce pour tous les bienfaits que tu nous as donnés à travers son séjour terrestre. Ne permets pas que nous nous souvenions d'elle avec amertume, en oubliant toute ta bonté, toute ta miséricorde, toute ta générosité éternelle. Nous t'invoquons ce soir pour que toi-même tu apaises les cœurs, car la séparation est toujours douloureuse. Nous t'invoquons afin que toi-même tu nous protèges tout au long de cette soirée de recueillement et que, à travers ton Esprit Saint, nous soyons dans la communion avec notre Seigneur. Nous te présentons la grande famille Congo. Nous te présentons toute cette famille avec ses amis, ses relations. Nous te présentons la paroisse Sion et toutes les paroisses sœurs qui partagent la même douleur, afin que de ta main paternelle, tu consoles tous ceux qui sont déplorés. De tels obsèques engagent beaucoup de responsabilités et suscitent beaucoup de besoins. Nous te confions toute cette famille, toutes ces paroisses, toutes ces relations, afin que toi-même tu les accompagnes tout au long de ces obsèques. Donne-nous du beau temps, Seigneur. Pense à la route qui sépare Douala du village, à ce long trajet. Pense à la saison. Pense à tout ce monde appelé à se mouvoir de Douala pour le village, en aller et retour. Et toi-même, donne-nous un temps favorable. Organise les déplacements des uns et des autres sous ton œil protecteur, afin qu'ils sortent avec ta bénédiction, séjournent au village avec ta bénédiction et reviennent sous ta protection paternelle. Nous te prions pour l'Église, éplorée aussi, endeuillée, parce qu'elle perd l'un de ses membres. Éternel Dieu, que de telles occasions soient des occasions d'affermissement, de rappel de notre attachement à notre Seigneur Jésus-Christ, des moments dont l'Église profite pour renouveler l'alliance avec notre Seigneur. Laisse que ton Esprit Saint accompagne tous tes serviteurs ce soir. En tout ce que nous aurons à faire et dispose les cœurs à être réceptifs. Sois loué à jamais et bénis-nous en accordant la paix aussi bien aux vivants qu'à ta servante que tu as appelée. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Nous allons chanter avec l'ACF et la Fédération des chorales classiques. Dans Luc chapitre 16, du 19e au 31e verset. Dans un père qui est tiré à Carlucas, parce que nous sommes pour le long, nous ne pouvons pas. Éternel notre Dieu, tu nous rassembles ici ce soir parce que ta parole s'est accomplie sur notre fille, notre sœur,
notre épouse, notre mère, que tu as rappelée auprès de toi. Dispose nos cœurs à recevoir la parole de vie. Illumine celui que tu as choisi pour nous la transmettre. Exauce notre prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chapitre 16. Il est écrit. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fana et qui chaque jour menait joyeuse vive. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham.